संसार दावानंदनीर लोकां. Namasté, namasté, bienvenue sur Aum Révolution, l'hindouisme aujourd'hui, un podcast qui donne les grandes lignes culturelles, théologiques et philosophiques de cette très ancienne tradition de l'Inde, depuis ses origines jusqu'à nos jours. Je m'appelle Cyril ou Chandra. Je m'appelle Guillaume Hermance et aussi Gadadhar. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est vraiment fascinant, ça s'appelle les trois modes de la nature matérielle. Pourquoi est-ce que tu trouves que c'est fascinant? Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui nous explique comment on s'est retrouvé dans cette situation, dans ce monde de matière plein de complexité, plein de difficultés, et comment on peut en sortir. Moi, j'aime parce que je trouve ça. Je trouve ça très très empirique, dans le sens que c'est, il y a des déclarations dans les Védas sur l'identité de Dieu, l'identité de l'âme, la position des planètes dans l'univers, etc. Mais je trouve que ce sujet-ci, sur les trois qualités qu'on va expliquer, c'est un truc qui est carrément prouvable, quoi, empirique. On peut le percevoir sans nécessairement avoir foi que telle et telle autre prononciation sur des choses beaucoup plus ésotériques sont vraies ou fausses, quoi. Ça que j'aime bien, moi. Oui, ce sujet explique un point que tout le monde a pu expérimenter. Et je me souviens, étant un petit garçon, je me souviens très bien d'avoir des expériences. Je me souviens, j'étais un tout petit garçon, peut-être 6 ou 7 ans. Et je regardais les objets dans le jardin de mes parents. Tu ne me l'as jamais raconté, celle-là. Non. Je crois que tu allais raconter l'histoire de quand tu étais dans le métro avec ta mère. Et pourquoi est-ce que tout le monde a l'air aussi triste, maman? Mais celle-là, je ne l'ai pas encore entendue. Et je regardais les objets. Il y avait peut-être un pot de fleurs cassé. Il y avait peut-être quelques cailloux. Et c'est curieux parce que j'avais l'impression que ces objets de matière qui m'entouraient ne faisaient pas partie du... J'étais étranger à ces objets de matière. J'avais cette intuition. C'est très curieux. Bon, intéressant. Et en fait... En tout cas, moi, je crois Vas-y. Je crois que ce sujet... Jinx, quand on fait en anglais, tu connais l'expression « jinx » ? Non, quand tu parles en même temps, quelqu'un, tu dis jinx, et le premier qui dit jinx, l'autre doit se taire ou un truc comme ça. Ah, d'accord. Mais j'ai pas dit ça pour que tu te taises. Hein. Non, c'est pas grave. Donc, le point, c'est que nous sommes intrinsèquement, essentiellement, esprit. Nous sommes l'âme. Et on est tous d'accord qu'on est conditionnés. Ça, on peut tous être d'accord là-dessus, quoi. Voilà, nous sommes conditionnés par l'énergie matérielle. Et le premier conditionnement qui est très facile à comprendre, c'est que nous sommes dans un corps de matière. Bien qui est conditionné par ces trois gunas. Voilà. Donc parlons de ces trois gunas. C'est quoi alors ces trois gunas? Puisqu'elles nous affectent tous, qu'est-ce que les écrits védiques nous disent là-dessus, quoi? Moi, j'ai quelques versets à citer venant de la Bhagavad Gita, le texte qu'on cite souvent, mais toi, qu'est-ce que tu as comme munition à nous offrir. Eh bien, disons que c'est quelque chose que tout le monde a expérimenté, que si tu mélanges, par exemple, du rouge avec du jaune, tu vas obtenir du orange, d'accord? Ouais. De la même manière, une personne peut être influencée par deux modes de la nature. Mais qu'est-ce que c'est que le mode? C'est quoi un mode? Définissons ce que c'est qu'un mode d'abord, parce que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler des gunas, ou des gunas, comme tu avais dit l'autre jour à un mec qui t'avait dit ça, c'est quoi? Alors, en sanskrit, le mot guna, bon, on veut dire corde ou influence, mais de quoi est-ce qu'on parle, quoi, quand on parle des trois qualités? Ceux qui font un peu de yoga, tu sais, eux, ils comprendront peut-être, parce qu'on parle souvent de la sattva guna, de la qualité, de la bonté ou de la vertu, qui s'appelle sattva en sanskrit. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ces gunas? Oui, ce sont les trois qualités qui composent tous les éléments de la matière, tous les différents caractères, tous les différents... Qui composent ou qui influencent aussi? Je dirais plus qui influence, si j'ose. Oui, tu peux le dire comme ça, mais en fait, nous sommes faits de ces trois gunas. Nous sommes faits de ces trois gunas. Donc, il y en a trois. Donc, il y a la vertu ou la sattva, la passion ou rajas, et la troisième, c'est
tamagun, c'est-à-dire l'ignorance. L'obscurité, l'ignorance. Voilà, c'est le pire de tout. C'est la paresse, la méchanceté, la tromperie, la tricherie, l'intoxication. Enfin, le bonheur ou le plaisir sous l'influence de l'ignorance est décrit dans la Bhagavad Gita comme étant de la souffrance du début à la fin. Oui, c'est déjà de la souffrance au début. Alors que sous le mode de la passion, il y a un certain nectar au début. C'est le meilleur exemple dans le mode de la passion, c'est un garçon et une fille se rencontrent et tombent amoureux. Et au début, c'est formidable. C'est quelque chose de très intense. Agréable. Très intense, très agréable. Mais et souvent, après, ça devient... Ouais. Ça tourne, oui, ça tourne. Ça tourne au drame, quoi. Oui. Dans le mieux des cas, ça tourne au train-train quotidien et au pire des cas, au divorce, au meurtre, à la haine, etc. Oui, ça c'est le catastrophique, mais bon, c'est pas toujours quand même. Mais non. Mais le mode de la passion, c'est expliqué par une aspiration, des aspirations ardentes pour se réjouir des objectifs. Désirer. Voilà, un désir ardent. Je veux. Voilà, c'est ça. Et un des efforts intenses pour l'obtenir. Un bon exemple, c'est le gratte-ciel. Notre grand-père spirituel, Prabhupada, donnait souvent cet exemple que le gratte-ciel, c'est vraiment l'emblème du mode de la passion parce que ça a coûté beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de gens ont souffert pour le construire. Et à la fin, qu'est-ce que c'est ? C'est un plaisir mental, finalement. Le propriétaire du gratte-ciel se sent heureux simplement parce qu'il est le propriétaire du gratte-ciel. Mais est-ce que le gratte-ciel va vraiment le rendre heureux ? C'est ça, le point. Les guerres, les conflits politiques, ça aussi, c'est dans la passion. Oui, c'est dans la passion. D'ailleurs, les hommes politiques ont besoin d'être dans la passion parce que dans le mode de la passion, une personne est courageuse, une personne est bonne pour organiser les choses, une personne est généreuse. C'est les qualités d'un politicien. Enfin, ça, si. Passionné, mais il doit être en même temps spirituel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux être passionné et complètement impie, complètement athée, mais tu peux être passionné et être transcendantal et utiliser, c'est comme tu viens de le décrire, parce que c'est pas tout le monde, si je peux me permettre, c'est pas tout le monde qui est passionné, mais qui en même temps pense au bien de la société, du peuple, pas vrai? Oui, c'est-à-dire que le mode de la passion, comme tu dis, c'est le mode au milieu, c'est beaucoup mieux que l'ignorance, mais c'est pas vertueux encore. Et donc la vertu, décrisons ça. Voilà, la vertu, c'est toutes les belles qualités. C'est-à-dire une personne simple, honnête, sérieuse, sobre, propre, tolérant, patient, toutes les pardonnant, les clément. Voilà, clément. Toutes les meilleures qualités, c'est le mode de la vertu. Et tu savais qu'il existe une classification des animaux aussi dans les modes de la nature. Ouais. Je sais que par exemple, parce que moi je m'identifie beaucoup, tu sais, c'est le singe. Il est dans la. Si t'avais pas rigolé, je me disais oulala, il pense pas très haut de moi quand même, Guillaume. Non, je sais bien que tu es pas un singe, mais je trouve amusant que tu te compares à un singe. Je trouve ça amusant. Fausse humilité, passion, c'est ça. Le singe, il est pas mal dans l'ignorance, dans la passion et dans l'ignorance aussi, dans l'ignorance. Pas mal dans l'ignorance. Le buffle. Le rat, le ver de terre. Le corbeau. Et toi, ton favori? Le corbeau. Et le corbeau, dans le mode de l'ignorance. Oui, il est toujours attiré. Il dort toute la journée. Le corbeau? Non, le corbeau est Ah oui, pardon, le hibou, j'ai confus avec le hibou. Le corbeau est attiré par les choses répugnante, il va dans les immondices, tu vois. Et par opposition, le cygne,
c'est un oiseau qui aime. Mais je croyais que tu allais dire la vache. Je croyais que tu allais dire la vache parce que je m'attendais à ce que tu rentres sur scène là en pleine force avec ta glorification des vaches. Oui, mais justement, je veux comparer deux différents oiseaux. Le corbeau et le corbeau et le cygne. Voilà, le corbeau et le cygne. Ou d'autres oiseaux comme comment. Mais vite, comparons les vaches, s'il te plaît. Les vaches. Oui, alors la vache, la vache, c'est même plus, encore mieux que la vertu. C'est un animal divin. Quand mais bon, avant de parler de ça, parlons juste au niveau. Allons pas trop loin, parce qu'on va parler de la transcendance. Parce qu'ultimement, la philosophie hindoue, quelle que soit la tradition, pousse l'âme ou engage l'âme ou dirige l'âme à se libérer ou à être libérée de l'influence de ces trois qualités matérielles, y compris même la vertu. Mais bon, passons-y dans quelques minutes. Qu'est-ce qui se compare avec la vache en contraste? Qu'est-ce qui se contraste avec la vache? Non, la vache, c'est un animal merveilleux, paisible. Dans la vertu, c'est clair, quoi. Oui, c'est clair. C'est incroyable. Tu les vois. Oui. Oh. Rien que de regarder une vache, déjà, on se sent bien. Rien que de la regarder. Ouais. Et elle donne un aliment merveilleux, le lait. C'est un aliment miraculeux, à condition que la vache soit protégée. Si la vache n'est pas protégée, si elle est exploitée, son lait n'aura pas la même valeur. Mais après, au niveau des animaux qui sont pas dans la vertu. Parce que là, on va parler des... Le lion, c'est plus dans la passion. Lion, complètement dans la passion. C'est l'exemple typique. C'est un animal... Et d'ailleurs, il est comparé au roi des animaux. Et dans la société humaine, on a tous entendu parler des varnas ou des castes. Le roi, c'est ce qu'on appelle le kshatriya, c'est-à-dire c'est un homme passionné. Et c'est nécessaire parce que dans la passion, on est prêt à se battre. Et les rois... doivent être courageux et doivent être prêts à se battre pour protéger les autres membres de la société. Mais après, comme j'ai dit, tu as des politiciens complètement, si j'ose utiliser le mot démoniaque, qui sont aussi dans la passion. Oui, ils utilisent la passion vers le bas. Ouais, la passion est au milieu. Donc, tu peux utiliser la passion. En fait, la passion, ça veut dire travailler dur pour obtenir des fruits, des résultats. Et moi, j'ai une question philosophique. Alors, est-ce que tu peux avoir quelqu'un qui est principalement influencé par la sattva, par la vertu, ok, par qualité, disons, matérielle, mais qui peut en même temps être impie ou athée, ou encore une fois, pour utiliser le mot un peu lourd, mais c'est un mot qu'on trouve beaucoup, beaucoup dans les littératures védiques, notamment le mot rakshasique ou démoniaque. Il y a, si je me trompe pas, corrige-moi, mais n'y a-t-il pas des exemples dans le Srimad Bhagavatam, par exemple, dans les Puranas, de brahmanas, hein, de prêtres, donc qui sont généralement dans la caste qui est considérée principalement influencée, on est d'accord, par la sattvaguna, mais qui sont complètement opposés à Dieu. T'as Daksha, par exemple, non? Oui, il y a des exemples de grandes personnalités très érudites, et même comme Ravana, le fameux Ravana. Mais lui, il n'était pas trop brahmana, il est plus dans la passion, lui. Moi, je te parle plus de personnages qui sont vraiment dans la sattva, ou qui ont l'air d'être dans la sattva, mais qui sont en même temps contre Dieu. Comment il s'appelait le brahmana, maître spirituel du roi Bali? Shukracharya, ah oui. C'est ça? Shukracharya. C'est pas un exemple de quelqu'un qui est dans la vertu, mais qui en même temps. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il est, il est beaucoup dans la vertu, mais le fait qu'il soit opposé à Dieu, c'est un signe de son ignorance? Donc, il y a un petit gros paquet d'ignorance dans la salade. Oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une bagarre entre les trois modes de la nature, et on l'expérience journellement. Un jour, on a du mal à se lever. On est fainéant. Un jour. Oui. Un jour seulement, t'as de la chance. Et un autre jour, on se lève heureux, enthousiaste, plein d'énergie. Donc, on peut voir qu'un jour, on sera influencé par l'ignorance, c'est-à-dire on est paresseux, on est dans la lune, on oublie les choses. Et un autre jour, on est plein d'enthousiasme. Ou un autre jour, on est paisible, on veut tout... tout ranger dans la chambre. On veut la propreté, ça c'est important, ça. Le symptôme visible, et c'est ça, j'en reviens au tout premier point que je t'avais dit, quoi.
ce que j'aime bien dans ce sujet-là, les Écritures nous disent que le symptôme visible, quoi, empirique, il n'y a pas vraiment besoin de foi pour ça. Le symptôme visible de quelqu'un qui est influencé beaucoup par la sattva, par la vertu, par la bonté, c'est d'être propre. Oui, mais tu vas aussi trouver des gens très propres qui sont pas des bonnes personnes aussi. Ouais, c'est complexe, comme tu disais d'ailleurs. C'est complexe. Parce que c'est complexe. Il y a toujours un mélange. Il y a toujours un mélange. Il n'y a jamais un seul mode de la nature à l'état pur. C'est toujours un mélange. Bah, en parlant de ça, je crois que c'est un bon pont au dernier sujet, je crois, de ce que nos écrits, ce que cette philosophie nous dit à propos de ce sujet, enfin, dans ce podcast-ci, c'est la notion de transcender ces trois modes et d'arriver à la plateforme qui est quand même nommée la pure vertu et donc la transcendance. Je trouve ça intéressant. Tu peux expliquer que, s'il te plaît, pour nos auditeurs, que les écrits védiques disent qu'au-delà même de la vertu, il y a la transcendance, la pure transcendance, mais paradoxalement, elle est nommée pure vertu. Oui, parce que la vertu, on peut dire que c'est comme l'aéroport. Tu n'as pas encore pris l'avion, mais tu es tout près de prendre l'avion. L'avion, c'est la transcendance. Et le mode de la vertu, c'est l'aéroport. C'est comme ça que c'est comparé. Vas-y. Non, pour expliquer la nécessité de transcender les trois modes, pourquoi ? Parce que ces trois modes, en fait, nous rendent prisonniers de la matière. Et elles nous forcent à se réincarner, ultimement, oui, c'est ça. Oui. Elles forcent l'âme à se réincarner, les écrits nous disent. Parce que nous ne faisons pas partie de ce monde de matière. L'âme ne fait pas partie du monde. Ouais. Non, l'âme, non. Nous sommes purs. Nous sommes esprit, nous sommes complètement heureux par nature, indépendants par nature. Des trois qualités matérielles. Voilà, indépendants, purs et et heureux. Et cette qualité, on la trouve seulement dans le service à Dieu. Cette perfection de bonheur, d'indépendance. En fait, on retrouve notre vraie indépendance parce que tout le monde veut être indépendant, heureux. Et ici-bas, si j'ose, ici-bas, comme tu l'as dit, quand une âme se met à se dédie sa vie à Dieu et sert Dieu, et on peut en parler quand on donne nos petits conseils à nos auditeurs dans quelques minutes, elle est située sur la plateforme de la transcendance. Et que dire quand elle est carrément dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire quand l'âme n'est plus dans le cycle des naissances et des morts, quand elle n'est plus incarnée dans un corps matériel, elle est là carrément dans le monde spirituel, elle est décrite comme fait de pure vertu, de transcendance totale, quoi. Satchit Ananda, comme on dit en sanskrit, pas vrai? Oui, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut expérimenter même dans ce monde si notre conscience est pure, si notre conscience est transcendantale, quoi, ouais, est dédiée à Dieu. Parce que l'idée, c'est que par nature, nous sommes serviteurs. Tout le monde peut comprendre ça. Et tout le monde peut comprendre qu'il est en train de servir quelqu'un. Le père de famille sert son épouse et ses enfants. Le chef d'État sert son gouvernement, ainsi de suite. Mais on doit comprendre que le vrai service, c'est le service à Dieu. Et quand il y a ça, là, tu es transcendantal. Voilà. Et si on ne sert pas à Dieu, automatiquement, on va devoir servir quelque chose, en fait, qui est une illusion, parce que ça n'est pas spirituel. C'est un service à l'illusion. Après, on peut être père de famille, mère de famille, PDG d'une compagnie et travailler, mais quand même dans une optique spirituelle et avoir une pratique quotidienne où on va arriver là dans quelques minutes qui nous garde sur la plateforme spirituelle ou transcendantale tout en étant dans le monde, payant nos impôts, étant marié et tout, parce que sinon quelqu'un pourrait penser, ah bon, bah pour être transcendantal, il faut que je me retire du monde. Oui, en fait, c'est un bon point. C'est que tout peut être engagé. Toute activité de ce monde peut être engagée d'une manière spirituelle. Laisse-moi te citer
laisse-moi te citer ce verset fameux de la guitare rapidement là. Daivie Shugunamai, c'est un des premiers versets que j'ai appris, le 7e chapitre, verset 14, c'est bien ça? 7-14, oui. Je crois. Daivie Shugunamai, mama maya durateya, mama ivaye prapadente maya metam tarantite, où il y a Dieu qui dit cette énergie illusoire, ce monde matériel, qui consiste, comme tu l'as dit au début, de ces trois qualités matérielles, est insurmontable. Mais celui qui prend refuge de moi, celui qui me sert, celui qui s'abandonne à moi, peut la transcender. Oui, c'est pas très difficile, mais ça requiert une introspection, une attitude humble. Une pratique aussi, oui. Disons à nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour arriver de plus en plus à être sur cette plateforme transcendantale? D'abord, tout simplement, sois propre, quoi. Garde-toi propre, garde ton appartement propre, mets des vêtements tous les jours qui sont propres, lave ta cuisine, c'est déjà ça, quoi. Oui, ça peut aider, mais aussi, ce qui est super important, c'est choisis bien tes amis. Choisis tes amis parmi les gens qui sont honnêtes, qui ont des qualités de cœur, qui sont sérieux, qui sont propres. Spirituel. Associe-toi avec des gens qui sont vertueux, quoi. Oui. Donc, on dit en français, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je te dirai qui tu es. Et en anglais, on dit birds of the same feather flock together. Et après, il y a la pratique spirituelle. Si vous avez déjà pas une pratique quotidienne spirituelle, c'est hyper important de dédier une certaine période de la journée, que ce soit 10 minutes, un quart d'heure, 2 heures, 5 heures, 3 heures, à s'absorber dans le chant des noms de Dieu, dans la lecture ou dans l'écoute de textes ou de discours qui glorifient Dieu. En ayant foi, vous devriez avoir foi que quand vous faites ça, et si vous faites ça, ben le pouvoir même de ce que vous écoutez vous fait monter vers le haut et vous extirpe des trois qualités. C'est vachement important que vous fassiez ça. Oui, on compare cette activité spirituelle que tu décris comme une goutte d'eau sur une pierre. Une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Toujours au même endroit, à la fin, elle va faire un trou dans la pierre. Et c'est pour ça que même 10 minutes par jour d'une petite prière et une petite lecture des Écritures saintes que vous pouvez choisir. Ça aide. Oui. Et surtout, même si on commence petit, même 10 minutes, il y a toutes les chances que après quelques temps, on va pouvoir passer à 20 minutes, une demi-heure. Et aussi, essayer de le faire avec des amis. Essayer de trouver au moins un ami, au moins un ou une amie avec qui on peut partager cette activité. C'est extrêmement, extrêmement favorable. C'est très, très, moi, très important. Moi, je dirais à n'importe qui, parce que j'en ai l'expérience. Bon, personnellement, moi, je pratique toi et moi, on pratique l'hindouisme, la tradition bhakti de l'hindouisme. Donc, c'est notre préférence de chanter des mantras dédiés à Krishna ou à Vishnu, etc., quoi. Mais si vous n'avez pas accès, en assumant que vous êtes pratiquant de l'hindouisme, par exemple, si vous n'avez pas accès, parce qu'en France ou dans le monde francophone, il y en a pas des milliers, hein, d'associations de gens qui lisent les Védas, etc. Alors, mieux que rien, c'est un super point que tu soulèves. Allez quotidiennement, même si vous devez aller, et je dis pas ça de manière péjorative, hein, mais bon, même si vous devez aller à un service catholique ou à une séance de gospel chrétienne ou à une messe, je sais pas, musulmane, du moment que c'est dans le cadre du monothéisme, je dirais, bah faites ça. Ça vous gardera au moins dans la vertu, non? Oui, c'est une bonne compagnie. Et aussi, une autre chose très importante, c'est choisissez votre alimentation
dans le mode de la vertu. Et ouais, c'est-à-dire, ouais. Oui, ça c'est super important. Éviter les viandes. Les intoxicants, les viandes. Oui. Oui. Essayer de manger végétarien ou vegan, c'est beaucoup mieux. Et même au frais, cette noix, ça, on en a parlé dans un autre podcast avant, donc on va pas en parler beaucoup, mais vous devriez aussi, idéalement, offrir votre nourriture dans la vertu à Dieu avant de la manger. Et là, ça la rend non seulement dans la vertu, mais ça la rend transcendantale. Donc vous mangez de la nourriture spirituelle, quoi. Oui, en fait, c'est tellement simple à faire. C'est juste une petite prière qu'on peut faire soi-même, sincèrement, de gratitude. C'est une prière où on remercie. On remercie Dieu pour nous donner cette nourriture qui va en plus nous nourrir spirituellement. Mm. Parce que si vous prenez la peine pendant quelques minutes d'offrir votre nourriture à Dieu, cette nourriture prend une autre qualité, dimension spirituelle, une autre dimension spirituelle. Ben, on a de la chance. On termine toujours comme ça, mais c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir cette connaissance. Je trouve qu'on a vraiment de la chance qu'on puisse pouvoir naviguer dans cet océan houleuse de qu'est notre existence matérielle avec un GPS, quoi. Nous avons un GPS. Nous avons un GPS avec cette connaissance. Non? Oui, c'est sûr. Et c'est sûr. Et je recommande aux personnes qui peuvent lire la Bhagavad Gita telle qu'elle est d'étudier cette philosophie merveilleuse et de s'informer de toute cette sagesse de l'hindou. Parce que si nous connectons avec cette sagesse, on peut sortir du cycle des naissances et des morts et nous tous en tant que communauté mondiale, on peut devenir plus heureux, quoi. Oui, c'est sûr. Et non seulement ça, mais vous pouvez aussi aider les autres d'une manière tangible. Ouais, on peut aider autrui. Nous, ouais. nous pouvons aussi aider les autres d'une manière très effective. Mais oui, parce que si nous on est quand même relativement situé dans la vertu, que dire d'être situé quand même un peu aussi dans la transcendance, eh ben par notre propre exemple, on peut aider autrui. En effet, c'est un super bon point, ça. Ben oui, parce que c'est la meilleure aide que nous puissions offrir à quiconque. C'est de donner cette dimension qui nous permet de connecter avec Dieu, parce que c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire pour quelqu'un. Ben ouais, parce que c'est bien de donner de l'argent ou ceci ou cela à autrui, mais si on donne notre propre exemple, si on donne de la force à autrui, si on donne un exemple et donc de la force, de l'inspiration spirituelle à autrui, c'est toute la société c'est nous tous qui en bénéficions, quoi, ultimement. Oui. Et le plus important, c'est que nous soyons un bon exemple pour les autres. D'abord, montrer nous-mêmes. Que nous sommes sérieux dans cette démarche. Qu'on essaye au moins d'être un peu dans la vertu, quoi. Parce que tu imagines, ouais, tu devrais être dans la vertu, passe le joint, s'il te plaît. tu devrais vivre dans la vertu, et t'as, je sais pas, il est bien ce film porno. Enfin, tu vois, non, attends. Exactement. Donc, je me souviens plus, il y a un mot en français qui explique. L'exemple a plus d'effet que les paroles. Eh ouais, ouais, ouais. A plus d'effet. Bah, génial. Okay. Bah, écoutez, merci d'avoir écouté. Je crois qu'on a fait un bon tour du sujet. Et à la semaine prochaine, quoi, n'est-ce pas? À la semaine prochaine. Le plus vite possible. Le plus vite merci possible. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour écouter. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.